Bonjour à tous les amis, c'est Marlon, on se retrouve pour un nouvel épisode de Partir de 1. Je vous laisse regarder ce que j'ai fait durant le off. Et je ne suis pas tout seul pour cet épisode. Virgile a fait un off, mais n'est pas présent. Rip, Virgile, tu nous manques. Il a encore donné des mauvaises notes. Ouais, il a encore eu des mauvaises notes. C'est parce que c'est un mauvais élève. Mais je suis quand même en compagnie d'El Papito, comme vous l'avez entendu. Hello. Et de Bad. Salut. Et du coup, les gars, aujourd'hui, il faut faire de l'oseille. J'ai bradé la ferme pour pouvoir payer ce BGA. On va la rentabiliser maintenant. Parce que j'ai plus un rond. Donc, basiquement, un au chargeur, un à la benne. Hein. Des trucs comme ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Limite, acheter un deuxième chargeur, en fait, je me dis. Vous deux au chargeur, ça peut peut-être le faire. Ouais. Je pense que ce serait pas mal. Bah, allez, tu sais quoi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller au conseil, je vais vous l'amener. Le deuxième. Ah ouais, bah si vous pouvez vider la benne pleine d'ensilage aussi dans le BGA. Parce qu'en fait, je pouvais pas le faire parce que c'est nul. Mais on est très content quand même. Alors, direction le concessionnaire, les amis, on investit dès le début de cet épisode. Ah, ça rigole pas. D'ailleurs, oui, durant son off, Virgile, moi j'ai fini de moissonner le maïs. D'ailleurs, alors j'ai peut-être pas totalement fini. Non, j'ai pas totalement fini. Oh, c'est ça qui coûte de l'argent. Ah non, pardon, y a pas de bruit dedans. Mais parce qu'en fait, regardez, j'ai 24 000 ici. J'ai ensuite une benne pleine. Ici, voilà, 105 000, et je ne peux plus en mettre dans le silo. Parce qu'en fait, il y a eu tellement de rendement que mon silo est plein. Donc, je vous attendais pour prendre une décision. Soit je vais aller le vendre. Après, d'un côté, on va en avoir besoin pour les cochons. Je veux commencer les cochons rapidement, donc on va pas le vendre. Je vais placer une extension de silo. Est-ce qu'on a une petite extension de silo? Ah, bah oui, super. Alors, par contre, ça rajoute que 40 000. 50 000, celui-là? Ah oui, mais il dépasse. Est-ce que je peux le mettre à côté comme ça? Ouais, j'aime pas trop. Comment je pourrais le placer pour pas qu'il soit trop gênant? C'est vrai que c'est pas évident de manœuvrer ici. Ah, sinon, il y a les ronds là. Ouais, sinon, en vrai, je peux un peu tricher en le mettant à l'étage du dessus, mais il sert pour celui du dessous. Hein. Dans le pire des cas, c'est pas horrible. Alors attendez, j'ai peur que ça terraforme, les gars. Ah, comment on fait pour pas que ça terraforme? C ou V, je crois. C'est V. Ouais. J'aurais dit C. C'est pour l'alignement. Ouais, c'est l'alignement. V, c'est l'autre là. C'est ça. Hop, placé. Boum, normalement j'ai 50 000 de plus. Ah, mais c'est largement pas suffisant, faut que je mette 100 000 de plus. Bon, déjà, on va voir. Peut-être que ça a débloqué un peu plus. Regardons. C'est bizarre de démarrer le camion qui fasse zéro bruit. Hop, alors est-ce que ça verse? Oui, ça verse. Alors vous remarquez aussi que le bâtiment est très mal homologué hein, pour bénir des bennes qui montent à 10 mètres de haut parce que oui, ça tape dans la portière. Alors comment. Ouais, c'est bon, ok, bah, je peux pas mettre plus. Ah, quoique, c'est peut-être parce que l'animation s'est arrêtée parce que j'étais parti du trigger. Oui, c'était ça. Voilà, là c'est plein. Maïs n'est pas accepté ici, donc faut encore que je place un autre silo. Bah, du coup, je vais plus avoir les sous pour acheter un chargeur, moi, à cause de ces conneries. Enfin, techniquement, je peux en louer un, j'en possède un. Ça, à la limite, c'est pas impossible. Quoique, non, j'ai pas dit arrêter les locations. Non, c'est les prêts que j'ai arrêté. Les locations, c'est la prochaine. C'est les prochains. Les prochains. C'est les prochains. Putain, mais je sais plus parler. C'est les prochains objectifs. Dont je vais parler dans cet épisode, ne vous inquiétez pas, on va les aborder, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Alors, si je mets ce silo là, ici, normalement, je peux mettre quasiment tout le reste. 42 000 euros! Oui, on a un tas de silos, hein. ça devient insolent. Bah du coup, je vous mets un accéléré le temps que je vide ça, il me restera encore quelques litres, mais c'est pas gênant. Et je vais surtout au concessionnaire, attendez, j'ai même pas besoin de vous mettre d'accéléré. Hop, j'y arrive, et je vais donc louer un chargeur. En vrai, on pourrait tester autre chose, c'est-à-dire un Volvo, mais du DLC.
C'est waouh, hyper différent. Parce qu'en vrai, ils sont jolis aussi. Ça permet de les comparer, tiens. Ça permet de les comparer. Cadre de sécurité, gyrophare, tout ce qu'il faut. Louer 15 000 euros quand même. Ah, mais c'est un peu con. Parce qu'on va devoir accélérer le temps, en fait. Ouais, on va voir. C'est un. Ouais, ça peut être sacrément con. On va voir combien ils nous chargent par jour. Mais à mon avis, ça va être un peu chiant. Et le godet, je suis là. Est pas mal en soi, mais je vais prendre le godet du modeur. Les amis, voilà, tout est là. J'ai peur qu'en accélérant le temps, ça soit assez désastreux. Donc, je vais amener ça à Papito et ensuite, il va falloir que je termine la moisson en vidant la moissonneuse. Comme ça, on aura bouclé totalement la récolte et on pourra recommencer à semer. Mais avant, il faut de l'oseille, vraiment. D'ailleurs, pour les vaches, on va en parler. J'ai une strat, c'était un mode stylé de ouf qui était sorti, qui va nous permettre de faire du. Bah, de transformer notre lait en un produit qui rapportera plus d'argent. Même si c'est pas terrible comme business. Enfin, moi en tout cas, j'en mangerai pas. Si ça rapporte, ça me va. Alors, les amis, me voici rendu sur les lieux du crime. La moissonneuse est en train de se vider tranquillement. Il est 21h40, on a gagné un peu d'argent, comme vous pouvez le voir, on a 122 000 euros. Donc c'est que ça rapportait déjà un petit peu de Zeyo, parce que mine de rien, à deux, ils remplissent ça très très vite. Et je pense que ça va être très peu rentable d'avoir un chargeur en location. On va voir combien ça va nous coûter là dans quelques instants. J'attends juste qu'elle ait fini de vider un maximum, que je puisse la relancer. Bon, c'est bon, elle se re-remplira pas. Comme ça, je lance l'ouvrier, il termine la moisson. Comme ça, ce sera enfin fait. Je l'aurais bien fait hein, durant le off. D'ailleurs, j'ai fait un sacré off. Hein. Je pense que ça m'a bien pris une heure et demie à moissonner, ça me paraissait pas si gros, mais finalement, bah, qu'une seule moissonneuse pour le moment. Et on a tellement d'endroits où investir. Il nous faut de l'argent en masse là. Vraiment, on manque pour la première fois de la série d'argent, mais pour investir partout, parce qu'il faut faire la ferme des cochons aussi. Alors regardez, on a un petit problème aussi de setup ici. Bon, déjà, c'est pas que parce que c'est plein, mais parce que regardez, quand j'accélère, ça va produire trop de méthane par rapport à ce que peut traiter la cogénération. Et du coup, ça va allumer, on va le voir, peut-être la torche à gaz. Si ça va le faire tout de suite. Ah oh, j'ai pas vu combien ça a pris pour la location, ça a rien pris. J'ai pas l'impression. Ok, bon bah tant que tout va bien, tout va bien. Et d'ailleurs, ouais, on gagne de l'argent, ouais, ça rapporte. Hein. 150 000 là, impeccable, impeccable, impeccable. Ça va, il galère pas celui de base avec le godet là ? Oh, ça va. Ça va. Oh, c'est cool. Il fait juste un bruit un peu bizarre quand tu recules, mais... Et oui, il fait... Ouais, qui s'essouffle. Non mais la marche arrière, on dirait que c'est un mec qui joue avec un compresseur. C'est trop bizarre. c'est lunaire. Ah, lait vendu. Ah merde, on a le mode qui vend le lait. Oh, après, je vais vous dire. Tant qu'on n'a pas la suite, ça évite que ce soit plein. Ah d'ailleurs, elles vont être en reproduction. Ah bah quand elles vont se reproduire, j'enlèverai le mode qui vend le lait automatiquement. C'est con qu'il n'y a pas un bouton activer-désactiver quand tu gardes le mode, mais tu désactives le fait que le laitier passe. Parce que je vais vous montrer après hein, ce qu'on va faire. Je finis de traiter le chantier là et de ranger les moissonneuses. Et on voit ce qu'on va faire du lait. Vous allez voir, ça va être bien. Ça va être... Ça va être stylé, en tout cas c'est stylé. C'est pas ce que j'aspire, mais c'est stylé. Les amis, ça avance, ça y est, le matériel de la moisson est rangé, donc la récolte est officiellement terminée. Sacrée récolte. Et d'ailleurs, on a 400 000, est-ce que je peux racheter un champ pour 400 000 C'est pas dit. Peut-être le 120, peut-être le 131, on va regarder ça. Ah oui, ça m'a mis sur le truc de l'ouvrier. Ah oui, très bon, très bon, très bon, bah ça part. Allez, plus que 3, donc il nous manque encore 687 000, plus 468 000, plus 425 000. Les silos vont prendre une claque. Je vous le dis, dans cet épisode, on va au moins racheter tout ça, plus ce faire de l'argent pour pouvoir faire la ferme des cochons après. Ah oui, et en plus celui-là il a déjà été mangé à moitié presque. Ça va être chaud. Il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent. Après j'ai du maïs, je le garderai bien pour mes cochons quand même. Je me dis que c'est quand même ça de fait. Donc ce serait pas mal de le garder. Après j'ai les vaches aussi qui vont rapporter plus dans quelques instants. Là je vais accélérer je pense jusqu'à la fin de ce silo. On va voir combien on a et on va investir aussi dans l'usine qui va nous permettre de traiter le lait et de bien mieux le valoriser. Mais alors bien mieux. Puis aussi oui on a nourri des vaches aussi. C'était pas que pour le BGR. Parce qu'on va les voir. T'en avais amené pas mal ou pas Bad? Dans celui-là j'en avais emmené 100 000. Ah ok. Là il leur reste... Et là en ration ils ont 200. 65 000. Ah mais oui, parce que ça leur fait de la... Oui, c'est vrai, ça se transforme ensuite en ration. Regardez, en bas à droite, 265 716. Oui, ça va, ils ont de quoi manger, surtout que là, pour le moment, elles consomment. Attendez, on a le chiffre. 42 000 par jour. 500 000 par an. Oui, ça va. Hein, tant qu'elles se reproduisent pas, on est tranquille. Là. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir durable.
les amis, on a 750 000 euros. Donc, en gros, un silo, ça rapporte 1 300 000, quoi. Même, ouais, un peu plus, ouais, 1 500 000, on va dire. Donc, c'est très rentable, très rentable. En plus, on a fait un peu de lait pour les vaches. D'ailleurs, les vaches, elles sont comment? Est-ce qu'elles ont encore à manger? Oui, oui, oui. Elles en ont plus énormément, mais elles ont encore. Et elles sont à la moitié de leur cycle de reproduction. Donc, je pense qu'au prochain silo, elles seront reproduites. Du coup, ce sera parfait. Mais je veux quand même déjà commencer, les gars. Oh, j'ai oublié d'enlever le mode qui enlève le fait que le lait. Ah, oh, je suis con. On va faire, je pense, ça à la ferme. Et vous savez quoi? On va utiliser ce coin-là. Ça va devenir le coin un petit peu usine de cette ferme, vu qu'on a une grande cour ici de ce côté-là aussi. Autant en profiter. Alors, l'usine que je vais placer, les amis, c'est une usine de viande bionique. Vous savez, c'est la grande lubie des vegans, tout ça, de générer de la viande avec des cellules souches, tout ça. Bon, autant moi, leur idée, je m'en tape un peu. Mais si ça me permet de revendre mon lait plus cher, j'adore. Donc, juste, il faut que je trouve le mode. Voilà, ici. Ok, en plus, ça coûte pas extrêmement cher. Ah bah, l'usine, on peut littéralement la placer le long, en fait. Ouais, mais limite, en fait, j'ai même pas besoin de m'emmerder. Je peux presque placer ça à côté du tank à lait, en fait. Ça, je crois que c'est le tank... Ah non, le tank à lait, ici. Ah oui, c'est le deux gros gigatanks de Laval. Et je pense qu'on peut stocker 1 million de litres de lait. Hein. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais... ouf, c'est quelque chose. Ah, on pourrait le mettre le long du BGA, en vrai. Là, j'ai un peu de place. Ouais, ça va peut-être faire trop d'un côté. Là, on mettra peut-être plus des arbres. Ouais, j'avoue, ça va peut-être faire trop d'un côté. En fait, je réfléchis, soit on le met là dans le coin. En fait, j'ai pas envie de casser un enclos dans le milieu. Ce serait nul. Donc, en soi, est-ce qu'il y a des triggers de ce côté-là? Non. Bah, je peux le mettre là dans l'angle. Hein. C'est ce que je vais faire. On est en face de quoi? On est en face de ça. C'est pas gênant. Ça, c'est le ridge du BGA. Hein. La petite bande blanche, c'est juste pour nous dire que ça va jusque-là. Eh bah, écoutez, je vais placer ça ici. Proprement. Petit freeze, ça fait plaisir, c'est que ça place bien. Je retire l'enclos. De toute façon, l'enclos, les amis, dans la partie 2, je placerai des enclos décoratifs dans lesquels on mettra des vaches qu'on n'ouvrira sans doute jamais. Mais juste histoire que ça rende ça plus joli. Ça, on le fera évidemment. Je rajouterai des râteliers et tout ça. Il va être temps de finaliser ça. Ça fait longtemps que je dis que je dois le faire. Il serait temps. Alors, donc là, le bâtiment est ici, les amis. Donc regardez. Maintenant qu'on a ça, on peut analyser. Donc déjà, on peut rentrer. Hein. Ça, c'est ça que j'aime bien. C'est les usines où tu as un minimum d'interaction. Tu peux les visiter. Et là, tu as ton petit écran qui t'explique en fait comment ça fonctionne. Alors, c'est très simple. La vache, elle donne du lait. Donc ça, jusque-là, on a tout bon. Le lait, il nous donne des cellules souches. Et ces cellules souches, avec, faut les nourrir et elles vont fabriquer tout simplement de la viande. Attends, je vais essayer de me mettre plus près pour vous montrer. Voilà, ça fait des stamzelles qui deviennent des myoblasten et puis des myotuben, des myofibrils. Enfin bon, c'est des Allemands, hein, on comprend rien. Et au final, ça te donne un steak. Bon, je sais pas si ça marche vraiment comme ça en vrai, mais ça me plaît bien. Ouvrir le menu des productions, donc c'est ici. Voilà, ouais, voilà. En gros, on peut mettre le lait. Soit à faire, bah déjà en fait rien que basiquement on va peut-être tester étape par étape ce que ça donne. On peut faire soit du lait UHT, donc c'est du lait pasteurisé, donc il me semble, hein. Je crois que c'est ça que ça veut dire UHT. Haute température, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est ça, traitement haute température, ultra heat treatment. Ouais, c'est simple, vous êtes bons les gars, hein. Vous êtes bons, hein. On les recrute pas n'importe comment ici. Stem cells, donc en fait avec 100 litres de lait t'obtiens 20 litres de cellules souches qu'il faut ensuite mélanger avec des nutrient solutions. Donc en fait, pour avoir de la viande. Ok. Ah, je pensais que c'était ça qui donnait aussi des stem cells. Donc faut faire le choix. Ou faut faire les deux. Bon, limite, on va faire les deux d'ailleurs. Vous savez quoi, je vais activer les deux. Ah, on n'a pas de tank à lait. Faut que j'achète un tank à lait. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire là. Je vais activer ces trois là. On va aller chercher, acheter une citerne. Niveau citerne, je vais pas être très innovant. Hein. Je pense que de toute façon, on n'a pas mieux que celle de notre ami 82 Studio, je crois qu'il l'avait fait. Ah, elle est là, voilà. Ouais, franchement. Et puis surtout pour le prix, je vais te dire, on n'aura pas mieux. Pour 20 000 balles, 67 000 litres, on est nickel. Bon, on va pas mettre capacité dans la liste, on va essayer de base. Les pneus, oh les BKT, ils sont sympas. Les Nokian, Vintage, oh les Trilex, putain, mais il y a tellement de styles. C'est vrai qu'on peut lui mettre des chenilles aussi, mais c'est affreux. Trilex, oh les Phoenix aussi. Mais non, mais en fait, j'ai envie de tous les prendre. Oh la taille des pneus, la grosse jante, Continental. Ah, mais les BKT, c'est quand même les plus stylés. Ils sont tellement énormes. Il y a ceux-là ou ceux-là. Ouais, je préfère en simple roue. Allez, on va partir sur du BKT spécial édition. Ah ouais, on peut l'avoir soit en Sad Bell, soit en Silver Bee, soit en Copperland, Black Bell. Ouais, full. Attends, ça change quoi avec Silver Bee? Ah ouais, c'est pas mal. C'est chromé. On peut rajouter un troisième essieu. On peut rajouter, alors ça c'est affreux, des stickers d'eau. C'est affreux. Defenders, oui, c'est toujours plus joli. Ça finit bien le convoi. Et un attache à l'arrière, au cas où ce n'est jamais assez. On aime bien. Et au niveau de la couleur, oui, on peut changer si on veut du chrome, de l'alu, ce qu'on veut. Black chrome, c'est affreux. Ou polished. Oh, c'est joli en polished avec... ça fait un beau contraste. Allez, ça part là-dessus. 32 000 euros au final. Pas très cher. Vous savez quoi? Avant d'aller le chercher, les amis, je vais faire un accéléré parce que là, mes vaches n'ont pas assez de lait. Oh, et puis du coup, on relance. Il faut accélérer. Et j'en profite aussi pour faire un accéléré, évidemment, du BGR. On va pouvoir ouvrir le deuxième silo. Et on va prendre lequel, les gars? Celui du milieu, là? Ouais.
Il pleut de l'oseille. Il pleut de l'oseille. 1 170 000. On a mangé la moitié du silo déjà. Et je peux accélérer le temps jusqu'à, je pense, au moins l'après-midi, le temps que... Ici, ça marche. Et regardez, votre torche à gaz est active et c'est dommage. Ah, si, on voit une anime, ok. Mais moi, je voulais voir une grosse flamme là qui brûle le... On me dit une torche, je vois un échappement. Très content, mais bon. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il avait raison, notre ami Glutwood. J'ai oublié, c'était Glutwood ou Glutwood. Non, c'est Glutwood, je crois. Il avait raison, il faut une autre centrale. En fait, on n'a pas assez de cogénération par rapport à ce qu'on a de méthane. On produit trop de méthane et du coup, on est obligé de l'extraire. Et c'est dommage, parce que du coup, c'est de l'argent qu'on perd, techniquement. Mais 1 200 000, ils vont me servir à autre chose. Vous vous doutez bien. En plus, là, en ce moment, on vend pas de lait. Hein. Le lait, il est stocké. On a ça. Oh, on peut stocker énormément de lait. Sur l'ancienne stabulation, 100 000, c'était plein. Là, je suis à 56 000. Regardez le trait, les gars. Je crois qu'on peut facilement avoir 500 000. Hein. Si ce n'est plus, parce que je suis pas assis d'avoir 10%. Tu peux mettre 10 traits comme ça. Ok, on va pouvoir voir venir là, ça va être très très bien. Attendez, je vais encore accélérer jusqu'à 17h30, là ça vous fera un peu de place. 1 265 000 d'ailleurs, est-ce que c'est assez pour tout racheter? Je vais pas le faire tout de suite, mais je le ferai sans doute dans la P2. 687, 468, ah non, il me manque encore, putain, on s'était saigné, hein, on s'était saigné. Mais la suite du business, elle se situe là, et du coup les gars, moi je vais aller chercher la citerne en camion, je vais prendre le petit Tesla ici. Oh, peut-être qu'on en achète un deuxième à un moment, ça deviendra utile. On n'en a pas encore besoin exactement maintenant, mais ça viendra. Donc je suis parti les gars, je vais chercher la citerne, je la remplis à la stabulation et on se retrouve pour commencer la transformation de ce lait en lait pasteurisé et en lait, en cellules souches. Alors, je vais récupérer le lait, il va falloir déjà que j'accélère parce que leurs bunkers sont pleins. Si je fais R ici... Ah oui, non, alors pour remplir ce truc à la con, c'est toujours très drôle. Je crois que c'est par l'arrière. Non, il faut déplier un truc. Enlever la bâche. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est moins con qu'il n'y paraît. C'est bon, vous avez... Oh putain, on a 1 400 000, les mecs. Oh, c'est quand même pas mal, là. Là, ça commence à me plaire, là. Ah, ça c'est bueno, ça c'est bueno. Ce que j'adore avec ce camion, c'est qu'il y a vraiment pas de gap entre le camion, la cabine et la remorque. Ce qui fait que genre c'est aérodynamique de zinzin quand t'as une remorque. Encore là, on l'a pas encore vu. Quand on aura une remorque, vous allez voir bâcher là. Ça va être dingue, surtout quand elle sera blanche, ça va faire un ensemble stylé. Il va nous le falloir de toute façon, ce genre de remorque pour transporter les produits qu'on va produire juste ici. C'est dommage que. Ah bah on va voir si ça me met du lait en brique, si ça nous génère du lait en brique. Parce que c'est un peu con si on n'a pas besoin d'acheter de briques de lait ou de carton. On va voir. Bon, après, d'un côté, je vais pas me plaindre. Ça m'arrange bien aussi de pas avoir à le faire. Alors, le lait, on le vide ici. Ah non, c'est ici, en fait. Ah, quoique... Ah oui, non, ici. Ici, c'est le lait. Là-bas, c'est les nutriments. Pareil, les nutriments, je me permets de me les faire livrer parce que c'est des palettes. Hein. IRL, tu vas pas forcément les chercher. Évidemment, j'ai laissé une barrière, je regrette. La barrière. Bye bye. Alors, le lait se décharge. Je sais même pas si je vais pouvoir tout mettre. Et ici, alors, on va se faire livrer. Ah, voilà, c'est ça. Ah non, 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 putain, j'ai failli acheter 1000 litres de sirop d'érable, les gars. On aurait dû manger des crêpes pendant 10 ans, là. Oh putain. Non, c'est des Nutrient Solution qu'il faut. Et 3. Donc, ça coûte vraiment rien. Ça va. Ah, la location qui est tombée, 12 000 euros. Bon, ça va. Ok, ça s'est rapidement traité. Hop, stylé. Alors, est-ce que ça a tout vidé? Le lait. Ah non, on peut mettre que 25 000? On peut mettre que 25 000. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça va pas être pressé là. Je sens que ça va pas être pressé. Donc, si j'ouvre cette machine, on a tout ce qu'il faut, sauf des cellules. Donc, attendez, si j'accélère le temps, comment ça marche? Ça consomme. Donc, ça commence déjà à faire du lait. Alors, stocké, on va mettre généré. Comme ça, on va pouvoir les voir rapidement. Est-ce que c'est tous les 1000 litres? On va voir ce que ça va donner. Ça devrait pas tarder. Par contre, ça consomme rapidement les nutriments là. Nutrient Solution, ça va très vite. Ah, attendez. Ah, ça a spawné. Alors, on a donc. Ouais, c'est bien des briques de lait. Des briques de lait et ici du steak en carton. Parfait, parfait, parfait. Donc ça fait 1000 et 1000. Ça a consommé quoi, 3000 litres de lait, même pas. En fait, il n'y a pas énormément de pertes hein, quand on regarde. Ici, ça utilise 20-20 pour faire 100. Ah bah non, il n'y a carrément pas de pertes ici. Ah si, ouais, si. Ouais, en gros, pour 100 litres de lait, tu fais 100 litres de viande. Et ici, pour 100 litres de lait, tu fais 95 litres de lait UHT. Donc ça va, ça produit plus vite la viande, du coup, techniquement, même si ça demande des nutriments, ce qui n'est pas le cas pour faire du lait UHT. Alors, maintenant, regardons quand même une autre chose, c'est le prix de tout ça. Parce que 1000 litres de lait sont repris de base. C'est où le lait? Je suis con, quoi. J'y arrive vraiment pas à trouver un truc sur un truc. Il devrait mettre une barre de recherche en haut, ce serait tellement bien. Mais à tellement d'endroits, dans les modes aussi, s'il vous plaît, Giants. C'est pas hyper compliqué à faire, je peux vous montrer. Et ça régale. Parce que là, je trouve pas le lait. Après, je suis con comme une bite aussi. Ah ouais, voilà. 1359 euros les 1000 litres. Pas dégueulasse du tout. Et si on fait du lait UHT, par exemple. Oh, ok. On passe à 2000.
2300. Donc c'est pas le double, mais tu prends un bien un plus 75%, quoi. Donc c'est bon. Et la bionique, ah oui, ça peut réparer. Ok, bon, les deux sont aussi valables. Bah, vous savez quoi, on va faire des deux. On va faire des deux, je vais accélérer le temps de temps en temps, je viendrai vider ici. Et pour clôturer cette P1, les gars, moi, ce que je veux faire absolument, c'est vider les silos, enfin les deux silos. Comme ça, on aura mis deux silos au BGA, le reste, on le réservera pour les vaches et on pourra se concentrer sur la suite, c'est-à-dire ressemer les champs, installer le site des cochons, d'ailleurs, et tout ça, quoi. Les amis, deux silos de vidés dans cette partie 1. En soi, ça fait pas beaucoup de tâches agricoles. Hein. On a vidé deux silos. Mais il faut se rendre compte des silos que c'était. Hein. Donc 5 millions de litres qui ont été transformés en délicieux méthane, plus une partie qui a été transformée en lait. Hein. Regardons les vaches. Oh, les vaches se sont reproduites d'ailleurs. Oh, c'est bien ça. 240 vaches. Là, ça va commencer à donner du gros milk. 35 000 litres de lait. Ici, ça doit être... Ah non, ça met énormément de temps à traiter. J'avais bien peur de ça. C'est bien le cas. Oh oui, par contre, ça nous a mis des palettes. Il va falloir que j'amène ça. Donc, je ferai ça dans la P2, les amis dans la P2, on va parler des objectifs. Donc là, dans quelques instants, juste après la séquence live, des objectifs, des commentaires. Et on va sans doute commencer à mettre tout ça dans une remorque, si ce n'est les vendre. On va voir. Parce que j'ai 1 851 000 euros. Faut que je rachète mes parcelles d'herbe parce qu'il va falloir refaire du foin. On est comment niveau foin? Ah, oh, ça va. Oui, non, on en a un peu quand même de côté. Mais d'ailleurs, une fois que j'aurai vidé ces deux hangars, on les remplacera. J'en ai trouvé des plus jolis pour stocker la paille. Ceux-là sont pas mal, mais ça va pas avec la taille de la ferme. C'est trop réduit. Il faudra que je trouve quelque chose de plus grand. Mais c'est nickel. Bah, merci les gars, Papito et Bad. Et bien, de rien. Et puis, bah, tout de suite pour la suite. Le lisier, au lieu de mettre non ou acheter, tu peux sélectionner ta stabulation pour que ça pioche directement dedans. Ah ouais? Donc, Arnaud nous dit, les gars, que quand vous mettez un ouvrier à épandre du lisier, eh bien, on peut tout simplement lui dire de se ravitailler dans la stabulation. Du coup, quand t'as du lisier, parce que je dois avoir un peu. Lisier, ah ouais, oh, j'en ai une chier en plus. c'est le cas de le dire, les mecs, c'est le cas de le dire. Va falloir qu'on resème tout, va falloir qu'on mette du couvert. Comment on peut mettre des couverts végétaux? Avec quoi comme semoir, en fait? J'ai aucune idée, hein. Un semoir, ça me paraît radical, hein. Non, on n'a pas... Ah, ça, c'est le radis, hein. Ah, ce serait ça? J'ai jamais fait de ma vie. Eh bien, écoutez, on va tester. Faut qu'on aille au concesse pour acheter de quoi autolo de ceci. On va monter dans le Tesla. Je voulais passer par là. Là, les gars, il va falloir qu'on construise un pont. Mais ce serait pas mal qu'ici, à partir de là, tu vois, on fasse un pont qui aille directement direction le concesse. Hein. Oh, pas mal. Pas mal, mais un peu juste quand même. Mais voilà! Pack de ponts. Est-ce qu'ils sont pas mieux? Oh! C'est quoi, on va le prendre, celui-là. Oh, il y en a un qui est bas de long. Hein. Il est pas mal. Allez, on prend. Pack de ponts, là. Et il y en a des stylés. Hein. Oh! Il est stylé, celui-là. Ah, oh, celui-là. Ah oh, ouais, non, c'est celui-là qu'on va mettre, les gars. Je vous le dis tout de suite. Je vais être honnête avec vous, c'est lui qu'on va mettre. Oh! Eh, franchement, là, les mecs, je me fous pas trop de votre gueule. Hein. Ça va nous faire gagner énormément de temps, ça. Tu remets de l'herbe, on aura passé un live déco, quoi. Très clairement, on va pas se mentir. Hop. Tac. Alors, attendez, laissez-moi mettre des derniers ajustements. Ici, on va se mettre à niveau. Oh, pas trop, quand même. Ouais, un truc comme ça. Adoucir. Oh, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va tester. En vrai... Bon, dans ce sens-là, il y a aucun problème. Un petit jump, là. Faudra peut-être adoucir un peu. Mais sinon, le passage sur le pont est nickel. Hein. Bon, et on va voir au retour. Là, par contre, ouais, ok. On peut passer par là en plus. Super. Alors, on va acheter une remorque autoload. On va pas être très novateur. Hein. On va pas être très novateur. On va acheter celle qu'on achète à tous les coups. On va le prendre en full blanc d'ailleurs. On va pas le prendre en chrome cette fois. Il y a pas mal d'options. Allez hop. On achète. 30 000 euros. Magnifique. Et regardez, ça va être parfait avec le. Oh, je me le suis. Je me fais avoir à chaque fois. Bon, je vais me rendre la livraison parce que je vais la ramener là, les gars. Je me rends juste hein, le prix de la livraison, les gars. Parce que je me le fais pas livrer. Et vous allez voir, l'intérêt du Tesla, en fait, c'est qu'il est... Bon, sur farming, ça n'a pas d'intérêt, hein, techniquement. Mais si c'était sa rapidité, sa puissance, c'est ça, tu vois. Alors, bon, IRL, c'est mieux fait. Hein. C'est pas censé rentrer dedans. Mais c'est vraiment... IRL, c'est proche à quelques centimètres. C'est pour ça qu'il est arqué vers l'intérieur. C'est que ça épouse la remorque que t'as derrière. Et comme ça, c'est ultra aérodynamique. Alors, testons le pont, les gars. Oh, ça va être tellement pratique de plus avoir à faire le tour. Je te jure comment ça me faisait chier. C'est un peu juste pour tourner là, mais oh, ça se fait. Ça se fait même avec un camion, alors ouais, ça va le faire.
Je vais péter mon crâne, les amis. C'est de la merde, la GoXLR. Quand le PC se redémarre, et là, en fait, ce petit enculé de Windows, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est redémarré instant, il s'est pas éteint hier quand je l'ai éteint. Du coup, il a tout coupé, tous les logiciels, notamment la GoXLR. C'est chiant. Et pourquoi il faut toujours des logiciels pour que ça marche pas? Bref. Je raconte tout en fait. Que s'est-il passé? Vous venez de voir deux accélérés. Ces deux accélérés, ils vous montrent tout simplement ici la création de décoration. Alors oui, j'ai mal placé l'enclos des vaches, donc des fois elles sortent de ce côté-là. Des autres côtés, c'est bien. Des autres côtés, c'est la bonne distance. Donc regardez. En fait, c'est un peu con, c'est que le modeur il nous montre pas de quel côté vont spawn les vaches. On pourrait se dire que c'est du côté des triggers, et non, c'est de l'autre côté. Bon, après, en soi, oui, on aurait pu deviner parce qu'on aurait pu mettre des enclos, mais c'est pas grave. Alors là, vous allez me dire, bah, Marlène, ça a dû te coûter cher cette histoire. C'est pas ça qui m'a coûté cher. Je vais vous montrer dans quelques instants. Ce qui m'a coûté cher, c'est l'achat de parcelle. Ça m'a rien coûté littéralement. Ça m'aurait coûté normalement 440 000 euros. Je vous l'affiche d'ailleurs au montage parce que j'ai la séquence où on voit combien ça m'a coûté parce que je me suis rajouté l'argent. Ça a coûté 440 000 euros. Et pour de la décoration, ça me paraît complètement abusé. Sachant que je ne vais pas utiliser ces vaches pour faire du lait, pas utiliser ces vaches pour les mettre dans ma vraie stabulation, c'est juste de la pure décoration. Le seul problème, c'est qu'on les voit ici, donc il faudrait que j'arrive limite à les masquer. Mais à la limite, c'est pas grave si elles sont là, c'est pas gênant. Mais c'est voilà, c'était juste histoire qu'il y ait de la décoration, et c'est vrai que ça rend mieux quand on a des vaches d'arriver dans notre pâture, hein, quand même. Hein. Bon, moi, je trouve en tout cas, les amis, que ça rend bien mieux ici. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bah, j'ai tout simplement réinvesti dans les champs que j'avais perdus. Pourquoi? Parce que j'avais perdu cette parcelle 139, cette parcelle 122. La 131, je l'avais rachetée, mais du coup, ça représente beaucoup d'argent. Ah, d'ailleurs, la 138, il faudrait que je la mette en herbe, en fait. Je viens de penser à ça. Avant de commencer la fauche, là, faudrait que je la mette en herbe, la 138. Ah, mais elle a été semée en herbe, d'ailleurs. Ah non, elle avait été labourée. Ah, il faudrait que je la mette en herbe. Comme ça, j'aurais autant de champs d'herbe qu'avant, en fait. Parce que oui, j'ai pas pu racheter la parcelle 140 parce qu'elle est tout simplement à 425 000 euros et ça représente beaucoup, mais alors beaucoup trop d'investissement. On n'a pas les moyens. Donc, ça m'a quand même permis de racheter, du coup, la 139, la 122. La 131, mais ça c'était là en AP1, et la 117. Donc j'ai quasiment autant de parcelles qu'avant, grâce à tout l'ensilage qu'on a vendu, mais maintenant j'ai plus un rond. Hein. Heureusement, les vaches peuvent encore produire du lait, ce qui va bien me régaler, hein, parce qu'il y a encore 35 000 de lait, puis ça va faire de la viande bionique, tout ça. Ça va nous rapporter de l'argent, du lait UHT aussi, donc ça c'est très cool. Mais il faut que je sème ça, et on sera pas mal. Et en fait, c'est quoi le but là, les amis? C'est pourquoi je fais de l'herbe? C'est que je vais faire de l'enrubanage, et l'enrubanage, on va le vendre brut comme ça, en botte. Bam, 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 on va vendre des plateaux d'enrubanage et ça va nous faire beaucoup d'argent parce qu'il nous faut de l'argent. Pourquoi? Maintenant qu'on a des parcelles, qu'on a un peu tout, il va falloir qu'on s'occupe de passer à la prochaine ferme parce que en soi pour moi la ferme des vaches elle est terminée. J'ai le BGA, j'ai la stabulation, j'arrive à m'occuper de mes vaches, je transforme leur production en un produit qui nous rapportera plus d'argent. Alors d'ailleurs je sais pas si on va en vendre dans cet épisode, on aura peut-être pas assez, on va voir. Mais en soi là, pour moi le site des vaches il est terminé, on l'a décoré, il y a tout ce qu'il faut. Alors certains me disent d'ailleurs t'aurais jamais dû payer pour la décoration, c'est la décoration, mais ça on en parlera lors des commentaires. Maintenant voilà, il me faut facile plus d'un million d'euros pour s'installer ici dans le site des cochons. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez, on a la parcelle 117 ici, elle ne va que jusque là, donc ça va être un peu galère quand même. Ça va être un peu galère parce que je peux pas acheter à 203, 1,4 million, je mets jamais 1,4 million dans une forêt. Alors, faudrait faire du forestier et tout ça, bon, un peu la flemme, je vais pas te mentir. Donc, on va devoir s'organiser ici, là, sur cette petite boue. Je pense que je vais virer les arbres qui sont là. On va aplanir comme ça et partir au droit. Donc, ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Va falloir terraformer, va falloir de l'argent pour ça. Et pour acheter une porcherie qui vaut au moins 500-600 000 euros. Pour acheter un silo qui vaut au moins 300-400 000 euros pour stocker le grain. Parce que là, notre silo, il est pas suffisant. Hein. Comme vous pouvez le voir, je suis plein, je peux même pas vider ce que j'ai dans la veine. Donc, voilà. C'est à ça que ça va servir l'enrubanner, c'est à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oseille et aussi avec le lait et tout ça. Mais l'enrubanner, ce sera une grosse rentrée aussi. Et d'ailleurs, je ferai deux coupes sur chaque champ. Donc, c'est vous dire à quel point ça va être rentable. Mais avant de faire ça, je viens d'amener le John Deere, là, comme vous pouvez le voir, avec la faucheuse qui est tout simplement ici. D'ailleurs, je me tâte, les gars, à acheter parce que là, en fait, il est placé où le John Deere? Il est placé là. En gros, on n'a pas le coin là. On n'a pas le coin du 166 et c'est dommage parce que ça nous permettrait de faire tout droit. Donc je me tâte franchement à acheter le 166. Allez, vous savez quoi, je vais l'acheter et on va pouvoir commencer ça. Donc attendez, maintenant je monte, on va aller semer la dernière parcelle en herbe et accélérer le temps ensuite. Quel tracteur d'ailleurs avec celui-là? Celui-là, il pourrait tirer le semoir, vous pensez? Oui, en soi, il est pas moins puissant que le classe. Hein. Et on va prendre le gros semoir pour semer de l'herbe. Et il va peut-être galérer un peu. Hein. Avec le gros semoir celui-là. Je sais pas si mon semoir à maïs permet de semer de l'herbe en fait. Si le semoir à maïs permet de le faire, c'est pas plus mal. Parce que j'ai un peu peur quand même. J'ai un peu peur avec celui-là de faire de l'herbe. Ah mais attends, j'ai d'autres semoirs là. Ah mais oui, c'est vrai. J'ai celui-là et j'ai celui en deux parties. On va peut-être plutôt partir sur celui-là avec le masset. Hein. Il paraît ridicule quand même. Ah non, ça c'est le semoir à maïs, d'accord. Ah j'ai deux semoirs à maïs, un semoir à grain. Non mais j'y suis plus les gars, j'avais oublié. Ouais donc en fait non, je peux pas faire d'herbe avec un semoir à maïs, j'avais oublié. Alors on va prendre la trémie et je vais atteler ça. Bah écoutez, on se retrouve sur le champ.
Bon les amis, pendant que je commence ce semi-derbe, alors d'ailleurs oui, je suis d'accord, là j'optimise peut-être pas exactement le rendement de ce champ. C'est pour faire de l'herbe en vrai, pas trop s'emmerder pour de l'herbe. Après pour les cultures qu'on va faire en haut là, au niveau des vaches par la suite, ça oui on va s'emmerder, ça oui on va regarder comment bien les optimiser. Alors on commence du coup avec les objectifs à 500 000, on les connaît mais alors je voulais juste voir où on en était. On a la première catégorie, c'est posséder 10 véhicules agricoles dans l'exploitation. On est à combien? Alors 1, 2, 3, je le compte parce qu'il nous sert à des tâches agricoles, 4... 5, 6, non je le compte pas, 7, 8, mais c'est une location, donc je vais la rendre d'ailleurs, je vais la rendre avant d'accélérer le temps comme un con d'ailleurs, hop, 8, 9, 10, eh ben on peut cocher les gars, on peut, ouais en plus on a le XV donc on en a 11 techniquement, et bah let's go, 11 sur 10, donc c'est bon, c'est coché, premier objectif à 500 000 fait, on progresse les gars, ça c'est bien parce que les 500 000 bonus ils vont faire du bien, mais on n'y est pas encore, posséder 50 parcelles. Voilà, c'est là où je vous dis qu'on n'y est pas encore. C'est qu'on possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parcelles. J'ai pas un peu craqué mon slip quand j'ai mis 50 parcelles en vrai? Donc on n'y est pas, hein. Il nous en manque 30. Ah oui, non mais là il va vraiment nous faire de l'oseille, hein. Il va falloir qu'on fasse des enrubanés, des trucs qui rapportent. Ouf, et on peut pas faire d'emprunt, c'est complexe. Là il va vraiment nous faire de l'oseille. Bon bref, ça c'est mort. Raser une forêt et y installer une ferme à la place. C'est vrai que ça pourrait être fortement ça quand même, cette histoire. Donc, je vous laisse me dire si vous avez d'autres idées ou alors vraiment on se met au cœur de la forêt. On se met au cœur de la forêt mais je vois pas trop pour les moutons. Ouais, mais bon ça retarde, le problème c'est que ça retarde. Mais c'est pas grave parce qu'après le prochain c'est avoir un total de 3 fermes, on en a qu'une et on va commencer la deuxième quand on aura les sous. C'est-à-dire prochain épisode je pense. Pas évident. Et enfin interdiction de faire d'autres locations, ça à la limite on pourrait s'arranger avec. Pas facile. Après on a sur 1 million, c'est 20 véhicules, 100 parcelles, tracteur de 1000 chevaux, activer le mode saison et faire une moisson de 3 millions de litres, on n'y est pas du tout non plus, mais on aura le temps d'y repenser, hein. Et puis après ça soit à 2 millions, mais je vous en reparle plus tard dans la série, là ça vaut pas le coup de s'y attarder. Ce que je vous propose les gars, c'est que je sème ce champ, il se démerde le massé mine de rien, et on se retrouve une fois que c'est fait pour commencer la fauche et lire les commentaires, et on se laissera là pour cet épisode je pense. Et voilà, le semi est terminé. On peut donc descendre et accélérer le temps, j'imagine. Écoutez, c'est parti. On gagne de l'argent encore. Il y en avait encore dans le BG, apparemment. Moi, c'est cool. D'ailleurs, est-ce que la croissance s'est activée? Ça, c'est une vraie question. Ouais, c'est activé. Allez. Bon, bah, on n'a plus qu'à accélérer en bas. Attention, votre torche à méthane est active. Mais on continue de gagner de l'argent avec le BG, en fait. Mais c'est trop bien. Mais continuez. Mais génial. 250 000, 260 000. Mais en fait, mais il y en avait encore pas mal dedans. Genre, j'avais pas vu. Il faut vraiment mettre de l'éclairage. Ouais. Bon, bah ça continue. En fait, ça doit être des restes de ce qu'il y avait dans le BGA qui continue à faire de l'oseille. Oh, le lait vendu. Mais ah, j'ai oublié d'enlever le mode en solo. Bon, c'est pas grave. Bon, ça a vendu du lait. Bon, c'est pas très grave en soi. L'usine continue de fonctionner également. C'est très bien. Ici, ça pousse. On est comment? On est en cours de croissance. On est un stade avant le premier prêt pour la récolte, mais on va attendre le second. Et là, on va être bien, les gars. On va être bien parce que ça, plus ça, plus ça, plus les deux champs qu'on a là-bas en double coupe. On va avoir un rendement assez colossal en enrubané et il nous faut de l'argent de toute façon. Ah là, on gagne presque plus d'argent. Si on continue à en gagner, mais c'est un truc de choc barre. Qu'est-ce qui nous fait gagner de l'argent? Pourtant, il n'y a plus de matériaux là-dedans. Il n'y a plus de matériaux, on continue à gagner de l'argent. Ah non, là, ça y est. Ok, tout juste. Ah non, mais ça a continué à rapporter de l'argent pendant longtemps. Waouh, la rentabilité du truc. La rentabilité, les gars. Ça, on a 590 000, on est très bien en fait. On n'était pas terrible, là on est de nouveau très large. Enfin, on est de nouveau large. Je peux acheter une porcherie, genre. C'est bien, ça fait plaisir. On finit l'épisode sur une très bonne note, moi je vous le dis. Mais je vais encore lire vos commentaires et passer ici sur ce champ qui est maintenant prêt pour la récolte. Mais on va attendre le dernier stade. Si vous allez voir, normalement, on gagne encore un stade dans la journée du mois de février. Voilà, c'est bon. C'est gagné. Et on va faire ça de bon matin avant de se laisser. C'est parfait. Oh, magnifique. Et franchement, bel épisode, mine de rien. On aura installé un pont qui est ici, pour ceux qui l'ont pas vu dans la partie live. Bon, de toute façon, vous l'avez vu. Mais c'est cool tout ça. Je déplie et je passe à vos commentaires, les gars. D'ailleurs, je vais pouvoir aller tout droit ici. Ouais. Alors, je vais partir dans le sens là. Ouais, je pense que ce sera pas mal. De toute façon, après, on ajustera. Et on commence donc avec le commentaire de Brest qui me dit: salut Marlon, pour pulvériser, je te conseille le pulvé John Deere du DLC Précision avec l'option qui voit les mauvaises herbes. Ça te permet d'user très peu de pesticides. Le pulvé est certes plus
cher, mais tu vas être rentable parce que tu feras des économies de produits. C'est sûr que ça va pas aussi vite que le Rubicon et qu'il faut un tracteur, mais je te conseille d'essayer. Ouais, non, mais c'est ça en fait. C'est pas le prix, moi. C'est surtout le fait que ça va être nul par rapport au Rubicon, je pense, et je préfère gaspiller du produit que de m'emmerder. Après, attends, je vais continuer de lire ton commentaire. Je te conseille toujours le mode GPS qui est très simple, surtout pour tracer les champs, au moins c'est droit. Et même pour les autres tâches avec la grande parcelle, ça t'évite de croiser les passages, gain de temps de carburant, réduction des coûts. Ce serait bien que tu fasses plusieurs cultures plutôt que d'avoir à chaque fois un gros chantier de maïs ou de blé. Oui, ben là, ça, on vient d'arriver. Hein. On faisait plusieurs cultures hein, sur l'ancienne map, mais là, on vient d'arriver, c'est compliqué. Mais c'est prévu. Il me dit, il n'y a jamais une seule culture sur une exploitation, sinon autant faire un seul grand champ. Tu as délimité des parcelles, ce serait plus joli et réaliste avec plusieurs cultures. Non, mais c'est ce qui va arriver, hein. c'est ce qui va arriver, ne t'inquiète pas. C'est juste que là, bah, vu qu'on venait d'arriver, il nous fallait rapidement de quoi nourrir les vaches et de faire de l'argent. Je pensais que le maïs était une très bonne solution. Après, pour mes champs d'herbe, pareil, je les laisse en herbe parce que voilà, c'est des prairies permanentes. Mais en tout cas, merci pour ton commentaire. Le souci, c'est que le John Deere du DLC, il est bien sympa, mais il va être carrément moins large, quoi. Voilà, on est sur du 28 mètres. Alors que quand je prends mon Rubicon, laissez-moi regarder ça. Ah bah, si, je l'ai. 48 mètres, non mais vous vous rendez compte ou quoi? Il y a genre 20 mètres d'écart. Non, je pense franchement qu'on va partir sur le Rubicon très rapidement, si ce n'est là quand on va refaire un semi, pour des raisons évidentes. J'ai même pas besoin de les justifier. Je comprends la techno de zinzin qui fait que ça analyse quand il y a des mauvaises herbes, quand est-ce qu'il faut en mettre, mais il y a un moment où il faut qu'on avance. Et si on passe deux fois plus de temps à pulvériser, c'est deux fois moins de temps pour le reste, quoi. Donc c'est pour moi, c'est pas intéressant. On passe ensuite au commentaire de Simon qui me dit: salut Marlon, encore une super vidéo, petit conseil pour un meilleur rendement, il faut que tu broies tes champs. Je trouvais ça chiant avant et je suis tombé sur la Lizard Katrina sur King Mode. Bah regardez, je l'affiche, qui fait 12 ou 14 mètres de large et qui roule à 35 km/h, un bon débit de chantier. Écoute, on pourra tester là, en plus on a des cannes de maïs à broyer, donc en soi techniquement c'est le moment d'essayer, donc écoute, on essaiera, ça peut être intéressant. Il me dit autrement: je trouve que t'as réussi ton installation, mais tu n'as toujours pas de maison. C'est vrai, mais j'attends d'avoir de l'oseille avant de mettre dans la maison. J'attends peut-être d'avoir le site des cochons et on verra auquel site on se fait une maison. Peut-être plus celui-là parce qu'il est sympa, il a une belle vue. Peut-être d'ailleurs en contrebas, on verra. C'est vrai que se faire une petite maison, ça serait sympa, mais je me laisse un petit budget quand même de 400-500 000 euros. Il me dit aussi: il faudrait que tu achètes un daily ou un SUV. Alors pas un SUV, je déteste ça parce que bon, ouais, pas terrible, mais ouais, j'avoue, une voiture tous les jours, pourquoi pas, en plus de mon pick-up. Après, j'ai un pick-up techniquement, même une petite voiture en plus, pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas. Et il me dit: dernier petit conseil pour Je visite vos fermes, Campagne of France, qui a des possibilités de construction énormes. Oui, ça va venir, elle est prévue, ne t'inquiète pas. Bah, rendez-vous d'ailleurs cette semaine normalement pour la suite de JVVF. Et enfin, on a un commentaire de Rafio Farmer qui me dit: salut Marlon, alors justement, pour l'information d'électricité, tu ne peux pas la stocker, elle est directement injectée dans le réseau de distribution, donc farming a une gestion réelle. L'électricité, ça ne se stocke pas. Alors ça peut se stocker avec des batteries, mais je suis d'accord qu'on peut pas stocker la production d'un BGA dans des batteries, il faudrait un champ entier de batteries. Et alors oui, il y a d'autres manières de stocker l'énergie en la transférant, mais bon, c'est un peu compliqué. Voilà, je comprends que farming ne l'ait pas fait, mais ce que j'aurais aimé avoir, moi, c'est juste, enfin, quand je dis stocker, c'est pas forcément stocker, c'est juste avoir des chiffres, savoir combien de watts, de mégawatts produit ce BGA avec telle ou telle chose, tu vois. Là on sait combien on fait de méthane et après ça fait de l'électricité, mais on sait pas combien, on sait pas comment, on sait pas à quelle fréquence. Donc moi j'aurais bien aimé le savoir. Et enfin, on a un commentaire d'Arnaud qui me dit: arrête de payer pour faire des décorations. C'est vrai que bah écoute, j'ai arrêté de le faire aujourd'hui pour les vaches. Certains vont me dire: Marlon, sauf que t'as déjà dépensé, là t'as pas assez d'argent pour investir dans les cochons. Mais c'est tout simplement parce que Marlon, t'as clairement mis des centaines de milliers d'euros dans ces arbres. Je pense très franchement que j'y ai mis, bah, je sais pas si on peut voir. Non, je viens de passer des mois et des mois, on va pas voir combien j'ai mis. Mais en plus c'est dans construction. Mais là franchement il y a 200 000, là il y a 150 000 et là il y a de nouveau 200 000. Donc c'est sûr que là j'ai investi 500 000 qui servent à rien. C'est que de la décoration et c'est un peu dommage. Donc je peux comprendre, je poserai peut-être la question en live de: est-ce que je dois continuer à payer la décoration quand je rajoute comme ça. Certes c'est plus beau, mais c'est sûr que bon, je fais un peu le boulot du mappeur en soi. Après d'un côté c'est un peu de ma faute aussi, c'est moi qui ai rendu les champs différents, hein. Donc moi je trouve presque normal que je les paye. Après peut-être que quand je fais que de la décoration, de la pure décoration, je devrais payer moins 50%, tu vois. Voilà, faut que je réfléchisse à tout ça. Voilà les amis, on arrive au terme de cet épisode, j'ai envie de vous dire. On a bien avancé mine de rien. Pendant le off, moi et Virgile on va essayer de faire un beau off. Ce serait bien qu'on ait au moins fauché tous les champs. Ouais, franchement ce serait bien qu'on ait fauché tous nos champs, celui-là compris, celui-là. Et comme ça on aura un maximum de quoi faire. Et comme ça prochain épisode on refait une coupe, on commence le et on s'occupe d'avoir un bon rendement, donc broyer les cannes, semer un couvert végétal, tout ça, des trucs qu'on n'a jamais fait en fait pour essayer d'optimiser le fameux score environnemental. On n'est pas trop mal, ça optimise nos prix, mais je pense qu'on peut mieux faire. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et puis bah écoutez, on se retrouve très prochainement pour la suite mardi prochain. Ciao tout le monde.